ce festival, je crois, qui rassemble un peu plus à nos films qu'un festival de Cannes ou de Paris ou d'ailleurs. Vous me reconnaissez? Eh sì, Aldo. Aldo la classe, Aldo Maccioni, sì, Aldo la classe. La mode, quoi. La mode de la milanaise. Il faut savoir coller à la thématique du festival. Hein. Cette année, c'est Miracolo à Milano. Alors, je me suis racheté un costume. J'ai fait la petite moustache, les petites coupes aux cheveux gominés. Et sono un vero italiano così, no? Eh sì. E allora, subito, miracolo. Guarda, mamma, tuo figlio è diventato bello, subito, incredibile. Ah, oh, miracolo a vita ruppide. Ah sì, la novità di questa année è che j'ai appris a parlare italiano, sì? Tellement bien parler italiano che maintenant, quando je parle francese, il y a un léger accent qu'on entend, sì? Léger, léger. Allora, signore e signori, ciascuno nei tuoi ranghi e qualità. Buonasera a tutti. Eh? On est loin du poltrone e sofà, là. Eh? Bon, allez. Je vais arrêter là, parce que de toute façon, l'accent italien, j'arriverai pas à le tenir pendant toute la cérémonie.
Et puis, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis toujours aussi nul en italien, malgré les 2-3 mots que j'ai réussi à apprendre. Et bien que mon père disait que j'avais un talent pour les accents internationaux, il faut bien reconnaître que je ne suis pas capable d'aller jusqu'au bout pendant 2 heures comme ça. Ça ne va pas durer 2 heures, je vous rassure. Il avait une belle formule, mon père, d'ailleurs, en parlant de ça. Il disait, Flo, il est doué pour la musique des langues étrangères. Le problème, c'est qu'il est tellement feignant qu'il n'a jamais appris les bonnes paroles qui vont avec. Pas faux, non falso. Mais en parlant musique et paroles, si je vous dis avec les bonnes paroles, che confusione sarà perché ti amo, un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene. A vous! Sarà perché ti amo. Sì, grazie, bravissimo. Ah, je pensais vous perdre avec ça, finalement vous êtes resté, c'est bien. Parce que, malgré tout, il y a un lien. On pourrait croire que c'est juste de la fantaisie pour mettre de l'ambiance, mais en faisant un peu de recherche pour la soirée de ce soir, et en parlant avec des gens qui sont bien plus cultivés que moi, je me suis rendu compte que cette chanson de Ricchi e Poveri était devenue depuis quelques années l'hymne officiel du Milan AC. Et moi qui ne connais rien ni au foot, ni à Milan où j'ai mis les pieds, je trouve que c'était original de commencer la soirée par ce petit clin d'œil. Un peu décalé, pas forcément pertinent ou adéquat, mais au moins qui a le mérite d'être atypique. Parce qu'avec cette thématique, pour trouver des blagues, des calembours ou autres saillies drôlatiques, ce n'était pas franchement évident. Pourtant, ça, je peux vous l'affirmer, et les gens qui me connaissent bien pourront aussi vous le confirmer. En matière de blagues bien nulles, je suis un maître. Et pas que un maître de cérémonie. Voilà. Voilà à quel niveau d'humour on est pour ce soir, hein, ça promet. Donc, effectivement, vu mes références très limitées à Milan, à part le Milan AC, effectivement, que je connais que de nom parce que je n'aime pas le foot. La mode où j'ai fait un effort, mais on est quand même très loin d'atteindre la classe milanaise et italienne. Le design, ce n'est pas pour moi. La Scala, je ne sais pas chanter. Le Duomo, je ne suis pas croyant. Et là, avec ça, cette évocation, on vient de brosser toutes mes références milanaises. J'en ai pas d'autres. Ah si, peut-être l'escalope. Super, trop drôle. Donc voilà, je pense qu'effectivement, au lieu qu'on s'enfonce comme ça encore toute la soirée, on va s'arrêter là. D'ailleurs, Sandrine m'avait prévenu pour cette année, elle avait une seule recommandation. Elle m'a dit, Flo, cette année, il faut faire velocemente. Velocemente, perché on a remarqué que depuis 2-3 ans où tu présentes tes amis le quart, tu as quand même une fâcheuse tendance chaque année à rallonger ta prise de parole, à parler de tes souvenirs, de ta mère, de ton père, de tes enfants. Moi, je, le melon qui gonfle, ça va, basta. Et puis ce soir, de toute façon, il faut faire velocemente parce que la soirée est chargée. Chargée en émotion, j'espère, chargée en prix, bien sûr, mais chargée aussi au niveau de la programmation parce qu'après cette cérémonie, et vous êtes là aussi pour ça ce soir, il y a un film, il ne faut pas déborder sur le film. Donc, avec cette recommandation, sans le vouloir, Sandrine m'a offert la plus belle conclusion à cette introduction, puisque une cérémonie qui rend hommage au cinéma à Milan, c'est pas la peine qu'elle s'éternise. C'est pas la peine qu'elle dure 1000 ans. Alors devant cette vacuité spirituelle et ce manque affligeant d'humour, laissez-moi modestement, humblement, mais officiellement, déclarer l'ouverture de la 46e édition des Amilcar du festival du film italien de Villerue. Allez, juste une dernière chose avant qu'on commence vraiment à récompenser les lauréats et les lauréates. Une chose importante, une chose capitale, une chose essentielle. Merci. Merci d'abord à Diapason, l'école de musique intercommunale, représentée ce soir par Lucas. Lucas, non, je ne bégaye pas, il y en a deux. Rémi et Tadé. Merci à tous les organisateurs, aux permanents, aux membres du conseil d'administration, aux techniciens,
aux projectionnistes. On les oublie trop souvent et pourtant sans eux, ça serait compliqué de voir tous ces chefs-d'œuvre sur les grands écrans. Merci à tous les partenaires, publics comme privés. Merci aux annonceurs, aux sponsors, aux financeurs. Merci au public. Merci à vous d'être toujours là, toujours présents et toujours aussi nombreux. Merci aux bénévoles, évidemment, sans qui tout ce festival ne pourrait exister. Et un merci tout particulier cette année à Sandrine Garcia, qui, après plus de 15 ans à travailler dans l'ombre de ce festival, s'est vue confier depuis le mois de juillet la délégation générale de ce grand et bel événement. Elle a beau connaître cette manifestation sur le bout des doigts, sur le bout des ongles, enfin ce qui lui en reste vu qu'elle se les ronge depuis 15 jours tellement qu'elle est stressée, je crois que cette 46e édition restera aussi pour elle un véritable miracolo. Un miracle des premières fois, évidemment, un miracle d'accomplissement, un miracle d'épanouissement, je l'espère, et surtout, une fois de plus, un miracle de réussite. Bravo donc à Sandrine, aux bénévoles, aux techniciens, aux projectionnistes, aux administrateurs, aux financeurs, à vous, à tous. Merci, grazie, grazie molto et bravissimo. Alors, pour commencer cette soirée, honneur à la jeunesse. Une jeunesse belle, une jeunesse forte, une jeunesse curieuse, gourmande, pertinente et intelligente. Cette même jeunesse, pourtant, qu'on a trop souvent tendance à dépeindre de manière caricaturale, en forçant le trait sur la nonchalance, sur l'obsession de l'outfit, les initiés comprendront, et bien sûr, sur leur accessoire indispensable, celui qui fait désormais partie intégrante de leur corps, comme le prolongement de leur propre main, leur portable, tellement éculé comme Topoï. C'est d'ailleurs toujours savoureux de voir des parents, dont je fais évidemment partie, s'exciter et s'inquiéter sur l'emploi abusif des écrans de leurs enfants, alors qu'ils sont eux-mêmes, ces parents, incapables de s'en séparer de leur portable et sont bien souvent plus addicts que leurs propres enfants. Donc sans tomber dans ce grossier portrait, qui ne ressemble d'ailleurs en rien aux jurés des jurys jeunes de notre Amilcar de ce soir, on peut tout de même dire qu'en matière de vocabulaire, cette jeunesse a des particularités bien à elle. Et ce vocabulaire change à la vitesse de la lumière. Pour avoir la chance, enfin l'obligation d'ailleurs, de faire LV2 Jones grâce à mes 3 ados maison, je peux vous dire que ce qui paraissait cool et tendance l'année dernière en matière lexicale est aujourd'hui largement débonné. La kiffance de l'année dernière, par exemple, est grave plus du tout à la mode. Complètement has-been. Gaze totale. Gênance carrément, wesh. Aujourd'hui, pour dire que c'est grave cool, sachez qu'on dit banger. Aujourd'hui, hein. Demain, ça sera peut-être déjà autre chose. Mais donc ce soir, c'est banger de faire partie de ce jury jeune, banger d'avoir pu voir tous ces films, banger d'avoir participé aux délibérations, banger de remettre ce soir le prix du jury jeune. Le jury jeune était composé cette année de lycéens de classe à option cinéma, ESABAC, et d'élus du conseil régional jeune de la région Grand Est. Élise, Lucas, Tom, Nina, Marlene, Romane, Anna, Zélie, Maëlys ont eu le plaisir et la lourde tâche de voir tous les films à primer, de les sélectionner et d'en choisir un seul. J'appelle donc à me rejoindre sur scène pour décerner cet Amilcar des jurys jeunes, qui est parrainé par la région Grand Est, Madame Véronique Guillotin, conseillère régionale, et le ou les représentants du jury jeune. On vous attend. Thank you.
Les jeunes. Quels jeunes? Mademoiselle. Anna, bravo. Merci. Buonasera a tutti. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie spéciale où nous allons décerner l'Amilcar du jury jeune. Avant de procéder à la remise des prix, permettez-nous de nous présenter brièvement et de prendre un temps pour quelques remerciements. Je suis Anna Mélas du lycée Alfred Mézières à Longwy et je fais ESABAC. En gros, c'est de l'italien un peu plus poussé avec de la littérature. Je vais laisser mes amis se présenter aussi. Alors bonjour à tous. Moi, je m'appelle Tom André Perbellini et du coup, je fais partie du lycée Jean-Victor Poncelet à Saint-Avold. Et j'ai été sélectionné parce que je faisais l'option audiovisuelle par la spécialité. Ça va être à peu près la même chose que Tom. Du coup, je m'appelle Lucas Marpeau et je suis également à l'option cinéma au lycée La Malgrange à Nancy. Merci. Alors, Quindi. Nous avons eu le privilège de faire partie du jury jeune, donc ce qui nous a permis pendant 3 jours qui étaient extraordinaires de visionner quelques films. Ça a été difficile d'en choisir un seul. C'était... Excusez-moi. Donc, je tiens maintenant à remercier quelques personnes, donc par exemple... notamment déjà les organisateurs du festival, sans lesquels il n'y aurait pas lieu de festival et toute cette joie, toute cette bonne humeur tous ensemble. Mes camarades du jury jeune pour leur investissement et leur bonne humeur, donc je vais citer les noms, Tom et Lucas ici présents, Marlene, Romane, Maïlys, Élise, Zélie et Nina, ainsi que 2 adultes qui nous ont accompagnés, donc Gilles et Marion. Nous remercions également la région Grand Est, les élus et les collectivités locales pour leur soutien. Et puis tous les réalisateurs, acteurs, l'équipe et professionnels du cinéma de tous les films, car sans leur talent et leur créativité, on n'aurait pu voir aucun de ces films. Et ce festival n'aurait eu aucun sens. Et enfin, merci à vous tous, chacun de vous, le public, pour être présent, pour faire part d'autant d'enthousiasme et d'autant d'attention. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est tous passionnés par les films, l'Italie et toute cette culture qui nous unit. Donc sans plus attendre, je vais donner le micro à Tom pour qu'il vous annonce l'information qu'on attend tous. Alors, nous avons passé 3 jours à visionner 7 films. Donc, sur ces 3 jours de visionnage, parmi les 7 films sélectionnés, l'ensemble du jury jeune s'est accordé à élire un film qui méritait nos faveurs. Notre choix s'est tourné vers une réalisation que nous avons particulièrement appréciée par son esthétique sonore, visuelle et sémantique. Ce long métrage nous a offert une expérience acoustique exceptionnelle par le choix des musiques et la singularité du mixage. Nous plongeons d'autant plus dans un univers du personnage principal. Le jury jeune a été unanime quant au visuel du film qui en a fait de lui un coup de cœur. Un jeu de lumière remarquable, harmonieux, un mélange de couleurs admirable et dans le prolongement implicite du scénario. Ce film nous a offert des plans tout à fait originaux et dans une mise en scène incroyable avec notamment un lieu qui nous a particulièrement tous marqués. Je finirai sur l'évocation de cette thématique peu connue et pourtant novatrice, une découverte pour l'ensemble du jury jeune. Je pense que vous l'avez tous compris, le film qui remporte le prix du jury jeune 2023 du Festival du cinéma italien de Villerupt est Amusia, de Marescotti Ruspighi. Speak English or Italian? Italiano. Adesso sono io che voglio ringraziare la giuria dei giovani perché è difficile
pensare a un premio più bello per me, perché ho provato a fare un film per i giovani, è un film che parla di giovani e credo che in quanto a autori abbiamo il dovere di cercare di riportare più possibile i giovani in sala, davanti alla telecamera, dietro alla telecamera. Dobbiamo credere di più nei giovani, senza dubbio, quindi affidarmi al giudizio dei giovani e sapere che il film è piaciuto, che è stato sentito, che è stato capito, nonostante sia in una lingua diversa da loro, è un grande, grandissimo onore per me. E, quindi ringrazio nuovamente la giuria dei giovani. Non ho capito bene quello che hanno detto, ho capito un po' di cose, però sono molto contento. Ringrazio il Festival di Villeroux, ringrazio gli organizzatori, tutti, la giuria, tutti i volontari, eccetera. E poi, insomma, credo che tutti i creativi debbano mantenere un giovane, un infante all'interno di sé, no? Per continuare a pensare in maniera a tratti irrealistica e a tratti anche infantile, credo che aiuti la creatività, quindi viva i giovani e grazie ai giovani. Tout le monde a compris. Parfait. Avoir le sens de la critique à l'heure du numérique et des réseaux sociaux, qui n'ont souvent de social que le nom, il faut bien le reconnaître, ne veut pas pour autant dire que l'on critique tout le temps, et qu'on n'est jamais d'accord avec rien. D'ailleurs, le verbe critiquer, souvent expliqué comme une opposition ou la mise à jour de défauts, d'erreurs ou de quelques manquements, n'est qu'une partie de la définition du verbe. S'arrêter à cette acception, c'est jeter un voile sur tout un pan de sa définition, justement. Car quand elle est construite, argumentée et justifiée, la critique, c'est aussi, heureusement, être constructive, mettre en exergue des qualités, des réussites et des innovations artistiques. Et c'est là tout l'enjeu de la critique. Non pas rabaisser pour dire uniquement du mal, mais donner un point de vue éclairé, certes subjectif,
mais construit de façon à pouvoir justement appréhender tout cela de façon plus globale. Sans flagornerie, sans complaisance et quelquefois sans pincettes, la critique dit clairement et honnêtement ce qu'elle pense, de ce qu'elle voit. Pas toujours facile à entendre. Quelquefois elle est dure, d'autres fois rassurante, voire réconfortante, mais c'est toujours, quoi qu'il en soit, le moyen de s'améliorer, de se dépasser, de se transcender. L'Amilcar que nous allons remettre à présent, vous l'avez compris, est celui décerné par le jury de la critique. Il est parrainé par le conseil départemental de Moselle et il était composé cette année de Timé Zopé, rédactrice en chef du magazine Trois Couleurs et présidente du jury, Thibaut Demeyer, critique de cinéma, membre fondateur de l'Association luxembourgeoise de la presse cinématographique, Cécile Desclos, journaliste des Inrocuptibles, Pascal Leduf, critique de cinéma pour le Télégramme de Brest et critique-film.fr, et enfin Augustin Pietron Locatelli, journaliste cinéma pour Télérama, ça j'arrive bien à le dire. J'invite donc à me rejoindre sur scène pour remettre le prix de la critique, Augustin Pietron Locatelli et Thibaut Demeyer, membre du jury. Merci pour cette présentation de notre profession, plutôt juste, j'ai trouvé, ce n'est que mon avis. Donc, avant de révéler le titre du film lauréat, le jury de la critique, donc nous deux et nos trois camarades qui ne sont pas présents, voudrions remercier l'équipe du festival, ses bénévoles, le service presse, Sophie, Juliana, Anthony, pour l'accueil chaleureux, leur bienveillance, nous avoir nourris, plutôt sympa aussi. Tout le week-end, c'était vraiment super. Donc, nous avons choisi à l'unanimité, et c'est là qu'il y a un petit twist, non pas un, mais deux films. On va accorder une mention au premier et le prix au second. Moi, je vais vous présenter la mention. C'est un film qui nous a séduit pour sa justesse, sa subtilité, sa sobriété aussi, et dans lequel une actrice en particulier, c'est à elle qu'on va remettre la mention, nous a encore plus séduit. C'était une jeune Sicilienne, rebelle, dans les années 60, qui lutte contre une loi terrible, celle du mariage réparateur, qui imposait aux femmes d'épouser leur agresseur, et donc qui lutte, ce faisant, contre tout son village. Et c'est pourquoi le jury de la critique souhaite attribuer une mention spéciale à l'actrice Claudia Guzmano, actrice du film Prima Donna de Marta Savina. Bonsoir, et nous passons donc à l'Amilcar de la critique. Alors, pour sa capacité à forger un monde onirique et original dans une Italie sans âge, à nous emporter dans les méandres de ces mondes sans tout expliquer, son talent pour composer des images de cinéma qui marquent et une troupe de personnages complexes, et enfin pour sa manière poétique, humoristique et ancestrale d'explorer les tréfonds de sa grande bande de héros par la chanson, l'Amilcar du jury de la critique est attribué à l'unanimité à La Chimère d'Alice Rohrwacher. Alors, je crois que la réalisatrice n'a pas pu se déplacer pour venir chercher son prix ce soir. Elle est prise en Italie. Donc, j'appelle à venir récupérer la statuette à la place d'Alice, Federico Pedroni, pour récupérer ce prix. Merci. Grazie.
non ho fatto niente, quindi prendo solo il premio. Porto i miei saluti da parte di Alice, che è in giro per l'uscita del film italiano, che è la prossima settimana, quindi purtroppo non è potuta venire qui, però insomma il film ha avuto già una bella storia al Festival di Cannes, sono molto contento che anche qui sia stato apprezzato dalla critica e quindi spero che insomma sia l'apertura per un bel percorso anche in Francia per un film così particolare. Grazie a tutti e grazie alla giuria. L'Amilcar qui va suivre reste dans le domaine des initiés. Le jury qui l'a attribué se compose là encore uniquement de professionnels du cinéma et d'un domaine bien particulier du cinéma puisqu'il s'agit des exploitants des salles obscures, qu'elles soient indépendantes, collectives, associatives, communales, intercommunales ou même commerciales. Ces salles cherchent avant tout, à travers leur existence et leur équilibre économique et financier souvent bien fragile, à nous offrir la palette de divertissement et de réflexion la plus large possible. Faire plaisir à son public, le fidéliser, l'élargir, l'éblouir et le satisfaire. Ces exploitants des salles obscures ont la simple mission de nous faire vibrer. Facile. Ils gèrent, ils cherchent, ils trouvent. Et tentent au quotidien de proposer une vision libre, une vision authentique qui s'accompagne d'actes forts et engagés. Un cinéma exigeant, un cinéma accessible, et oui, c'est pas incompatible, un cinéma beau, intelligent et populaire, et oui, ça non plus, c'est pas incompatible, un cinéma comme on les aime ici, à Villerue, et sur le territoire de la CCPHVA. Le jury des exploitants était composé cette année de Sarah Beaufol, programmatrice à la Comète à Châlons-en-Champagne, Pierre-Yves Tatté, directeur et programmateur de la Coupole à Saint-Louis, Barbara Choyer, éditrice, distributrice Star Invest France, Priscilla Gessati, présidente des cinémas indépendants parisiens, Cinéma L'Entrepôt à Paris.
parrainé par le magazine Box Office Pro et la communauté de communes du pays au Val d'Alzette, j'invite à me rejoindre sur scène pour remettre ce prix Léon Blum, membre du jury, et Patrick Risseur, président de la CPHVA, si ses genoux et ses lombaires, dont il nous donnait des nouvelles à la cérémonie d'ouverture, vont mieux et lui permettent de se déplacer jusqu'à maintenant. Merci. Bonsoir, merci. Je ne savais pas que j'étais devenu célèbre d'un seul coup comme ça. En fait, Léon, c'est Denis. Mais c'est pas grave. Mais Léon me convient. Léon, non. Léon me convient très bien. Merci, pas de problème. Tout d'abord, en tant que représentant des exploitants de cinéma, je voudrais remercier le festival pour l'accueil qui nous est réservé depuis maintenant 30 ans. Lors de notre journée de prévisionnement, et tout particulièrement Antoine Compagnon, délégué général jusqu'en 2022 et au festival pendant plus de 40 ans, et qui a été aussi à l'origine de l'Amilcar des exploitants, créé avec la complicité de Jean Valcaire, alors rédacteur en chef de Côté Cinéma, magazine qui a précédé Box Office. Le jury exploitant tient à remercier l'équipe organisatrice du festival pour son accueil et sa disponibilité, tout particulièrement Sandrine Garcia, déléguée générale, Charlotte Bénard, assistante d'organisation événementielle qui nous a couvés, et les chauffeurs assurant les navettes entre l'hôtel et les salles. Il salue une fois de plus l'ambiance chaleureuse du festival et son organisation impeccable. Le jury a visionné 7 films qui ont tous été de belles découvertes. À ce sujet, je précise également que je n'étais pas membre du jury. Je parle au nom du jury, mais je n'en étais pas membre. Léon non plus. Venons-en à notre Amilcar. On retrouve dans cette fable poétique et sociologique une bande de pilleurs de tombes fantasques et déjantées avec le merveilleux Joss O'Connor dont la sobriété du jeu porte le film. Les personnages rappellent ceux de Costa Rica avec cette graine de folie commune qui fonctionne comme une mécanique de groupe et nous entraîne avec elle. L'inaccessible quête de chacun, la beauté des décors naturels à travers une Italie pittoresque font de ce film un petit bijou. Vous aurez compris que le jury des exploitants a donc distingué la chimère d'Alice Rohrwacher. Alice Rohrwacher n'a pas réussi à revenir entre les deux prix. En revanche, elle est quand même très forte parce qu'elle a réussi entre-temps à nous envoyer un message qu'on écoute tout de suite. Salve a tutti. Grazie per questo riconoscimento, per questi due premi che mi onorano profondamente. Da una parte il premio dei critici, senza i quali forse non saremmo in grado di interpretare i nostri sogni, e dall'altra parte grazie alla giuria degli esercenti che permettono a questi sogni di trasformarsi in visioni collettive. E senza queste due forze il cinema non ci sarebbe. E quindi vi ringrazio tantissimo e mi dispiace non poter essere presente e un caro saluto a tutti voi. Encore une fois, je ne vous ferai pas l'affront de traduire, on est bien d'accord? Ah bah il est déjà là, formidable, j'allais l'appeler, il est déjà là. E basta, non dico niente, stavolta ha parlato Alice, questo me lo tengo perché tanto lei ce n'ha più di uno, quindi va bene così. Grazie ancora a tutta la giuria, grazie. Applausi.
Roulement de tambour, c'est l'heure solennelle à présent. C'est l'heure de remettre le prix du jury, comme dans les grands et vrais festivals. Comme si Villerue n'était pas un grand et vrai festival. D'ailleurs, c'est logique, parce qu'au risque de paraître quelque peu partial, voire carrément chauvin, le festival de Villerue n'a rien à envier à ses confrères les plus célèbres. Il se dit même, dans les milieux très feutrés et très fermés du cinéma, qu'ici, à Villerue, on y trouve un petit plus, un quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Un petit supplément d'âme, sans doute dû à notre histoire à laquelle nous sommes encore si viscéralement attachés. Un petit supplément d'âme dû aussi à notre hospitalité légendaire et authentique. Une qualité de recevoir, une volonté de faire les choses du mieux possible, de plaire bien sûr, mais de mettre à l'aise aussi. Ici, à Villerue, on est comme à la case. Et même Ettore Scola, qui était venu à Villerue en 1978 pour le troisième festival, n'a pas arrêté de nous le dire pour les plus assidus du festival. Pendant toute la bande-annonce, il disait quelque chose qui ressemblait à peu près à ça. « Je crois que ce festival ressemble plus à nos films que le festival de Cannes ou de Paris ou d'ailleurs. » Je ne sais pas où c'est ailleurs. N'empêche que ici, on vient, comme dans tous les festivals, pour voir du cinéma, mais on revient pour partager, se rencontrer et se connaître. Un festival, ça peut aussi servir à ça. Loin des bords de mer, des lacs alpins, des strass et des paillettes, il fallait bien autre chose pour faire le succès de ce beau festival. Ce sera, au-delà de l'amour du cinéma, la convivialité, indéniablement. Cette année, le jury était composé de Dominique Besnéard, producteur et comédien qui était président du jury, Anne-Dominique Toussaint, productrice, Marie Jung, comédienne, et Bruno Puzulu, comédien. Parrainé par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, j'invite à me rejoindre sur scène Annie Silvestri, qui est conseillère départementale, qui sera seule, puisque aucun membre du jury n'a pu se libérer ce soir. Allez, Annie. Pas forcément grand-chose à dire sur le travail du jury. Alors. Simplement me réjouir d'être là ce soir pour remettre le prix du jury, parrainé par le conseil départemental, qui est un partenaire fidèle et de longue date du festival de Villerue. C'est un moment que nous apprécions tous, moi particulièrement, une parenthèse joyeuse dans les salles obscures, avec des larmes, avec des rires, avec l'Italie et ses paroles chantantes qui nous réjouissent chaque année. Donc cette cérémonie, c'est un petit peu une fin, forcément une soirée un peu triste, parce qu'on sait que voilà, il reste 2 jours de festival, donc j'espère que les spectateurs seront encore nombreux, comme ils l'ont été, je crois, sur l'ensemble du festival cette année, puisque j'ai souvent constaté des salles bondées et je m'en réjouis. Donc voilà, merci à tous, merci aux bénévoles surtout, et félicitations à Sandrine pour son premier exercice de déléguée générale du festival. Je la félicite et je lui souhaite beaucoup de satisfaction pour les années à venir. Voilà. Alors, on n'a pas effectivement de membres du jury présents physiquement, mais on a 2 messages, un de Dominique Besnéard et un de Bruno Puzulu, pour nous expliquer un peu comment ils ont travaillé durant ces 3 jours de visionnage et comment ils ont délibéré par rapport à leur choix. On les écoute.
Bonsoir, Villeru. J'étais très heureux de passer ces trois jours avec vous dans ce festival qui, pour moi, est un festival vraiment tellement enthousiaste, tellement cinéphile, où la nostalgie est mêlée à la nouveauté. Ça m'a permis de découvrir plein de nouveaux cinéastes italiens qui, malheureusement, n'ont pas encore passé les Alpes. Alors, nous avons décerné, dans notre petite jury de 4 personnes, l'Amilcar a été décerné à Come Pecore in Mezzo ai Lupi de Lidia Pastetucci. Je parle très mal italien, j'adore l'entendre. Et on a fait une mention spéciale pour Stranigia d'Amori de Giuseppe Fiorello, avec une mention spéciale pour ces deux acteurs, ces deux jeunes acteurs absolument formidables. Alors j'espère revenir pour la 47e édition du Festival de Villeruve. Vive l'Italie, et grâce à vous, on voit des films qu'on ne verrait jamais en France, tous ces films italiens, toute cette découverte de jeunes cinéastes. Bravo et merci. Bonsoir à tous et à tous. Alors ce film a fait l'unanimité au sein de notre jury pour sa maîtrise technique, mais aussi et surtout pour l'attraction organique qu'il opère sur le spectateur. Nous suivons la solitude de l'héroïne et des autres personnages pas à pas. L'attention ne retombe jamais. Alors, il faut le dire, on ressort comme sonné de la projection de ce film. Parce qu'évidemment, il nous parle du monde dans lequel nous vivons. Bravo. Et enfin, merci. Un grand merci à toutes les personnes qui permettent l'existence d'un si beau, d'un si chaleureux festival comme celui de Villeruve. Ciao. Merci. Alors, non seulement Annie, pas de chance parce qu'il n'y a pas de membre du jury, et en plus, la réalisatrice qui était la semaine dernière à Villeruve est en tournage cette semaine, donc elle ne peut pas revenir juste pour récupérer son prix. Donc, c'est un peu la séquence fantôme. Mais. Quand même, malgré tout, la réalisatrice Lida Patucci nous a envoyé un message. Pareil, on l'écoute. Bonsoir à tous. Je suis désolée de ne pas être avec vous ce soir et aussi de ne pas parler français. And this is the reason why now I switch to English. I'm sorry. I want to say thank you to all the staff and the directors of Villeruve Italian Film Festival, because for us it's a great opportunity to show our movies to your countries. Thank you also to France and Luxembourg to hosting us. I had a great time when I went there to screen Come Pecore in Mezzo ai Lupi. I'm really happy and proud to receive this award that comes from a French jury, because for me, French genre movies are the main reference. I think nobody in Europe is good like you doing this kind of movie. So it's an honor, really. And that's it. Have a good night, a good time there. Grazie a tutti. Voglio ringraziarvi anche in italiano. E davvero sono felicissima e onorata di ricevere questo premio. E spero di vedervi presto. And of course, if you invite me again, I will be there again because it was a great opportunity. Thank you very much and see you soon. Bye bye, au revoir. Bon, il y a eu trois langues, un peu de français, un peu d'anglais et un peu d'italien. Le français, on a compris. L'italien, ma maman, elle comprend aussi, mais l'anglais, elle comprend pas du tout. Et elle est convaincue que moi non plus. Juste pour lui dire qu'elle est contente d'avoir reçu ce prix.
et qu'elle est surtout très heureuse que son film ait pu être vu en France et au Luxembourg, et que pour elle, ça la touche beaucoup, ce prix, parce qu'en France, on a quand même une certaine notoriété dans le monde du cinéma, on est un peu la référence, selon elle. Donc ça la touche beaucoup. Tu vois, maman, je parle un peu anglais aussi, moi. Voilà, ça veut dire à peu près ça, je crois. Donc, Annie, elle va repartir avec un Amilcar. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Alors, moi, je croyais ce soir pouvoir embrasser un bel Italien. Alors, on va appeler Massimo Scarafoni. Un bel Italien. Eh ben voilà. Sinon, il y avait Aldo. Oui, Aldo. I don't want to speak English with French people before me, right? Lo so, appunto, è l'errore che ha fatto Lida di parlare in inglese anziché in italiano. Comunque, lei ha detto tutto, vi ringrazio molto da parte sua e porterò questo premio e ringraziamo il festival e tutta l'organizzazione, la giuria soprattutto, e lo porterò a Lida Patitucci. Grazie. Après le roulement de tambour du jury, voici à présent le coup de cymbale presque final. Du point de vue des organisateurs du festival et pour les artistes eux-mêmes, je crois qu'on arrive avec ce prix à un moment crucial, le moment crucial. Un des prix, si ce n'est le prix le plus important à leurs yeux, l'Amilcar du public. Cette reconnaissance, bien plus encore que celle de leur père ou d'une caste professionnelle, si experte soit-elle, et sans doute, et sans aucune démagogie, l'une des plus importantes à recevoir pour un artiste. Car que deviendrait toute cette production, si brillante et pléthorique qu'elle puisse être, si elle ne rencontrait pas son public ? Ces films, tous ces 70 films qui ont façonné ces 17 jours, ont été faits pour lui, pour le public. Pour lui plaire, le charmer, l'émouvoir, pour le brûler ou le glacer, pour l'enflammer ou le submerger.
pour le bouleverser ou pour le bousculer. Le cinéma, c'est là aussi pour ça. Nous rassurer autant que nous déranger. Les artistes s'en amusent avec un sérieux déconcertant, car ils ont compris que dans ce superficiel se cachait l'essentiel. Alors, on ne va pas faire monter tout le jury du public sur le plateau, ça va être trop compliqué. 40 000 personnes, ça risque de faire un peu serré. Mais en tout cas, puisqu'il est parrainé par la région Grand Est, j'invite à me rejoindre sur scène encore une fois Madame Véronique Guillotin, conseillère régionale, Oreste Sakeli, déléguée artistique du festival, et Marie-Louise Antenucci, présidente du pôle de l'image. Bonsoir à tous, donc à toi l'honneur pour déclarer le numéro 5. Voilà, on va commencer le compte à rebours. Alors parmi les premiati, comme on dit, le numéro 5, c'est « Il più bel secolo della mia vita » de Alessandro Bardani. Numéro 5. Numéro 4, « La tresse » de Laetitia Colombani. Numéro 3, Anna de Marco Amenta. Numéro 2, Stranizza d'amori de Giuseppe Fiorello. Et donc le numéro 1, l'amicar du public, Prima Donna de Marta Savina. Io vado in italiano perché sennò ghiaccio sottile l'inglese non va bene, il francese poi mi fa il verso, quindi parlo in italiano. Grazie mille, io sono felicissima di essere qua e di aver ricevuto questo premio. A noi registi ci piace molto vincere i premi perché vuol dire che questa idea, questo sogno che avevamo in testa è arrivato a qualcuno. E quando arriva un pubblico che è venuto e ha preso un'ora e mezzo, due ore della vita per entrare in sala tutti insieme e vedere una storia, farsi trasportare in un mondo, è una cosa bellissima. Io ho fatto questo film che è un film che ha un messaggio ovviamente politico, per me molto importante, ma volevo che fosse un film che potesse emozionare. E quindi per me il senso di ricevere stasera questo premio è questo. Tra l'altro la vedo, la sala è veramente grande, piena, e quindi è una grande emozione. Grazie di aver guardato tutti questi film, fra l'altro una selezione incredibile, quindi grazie, grazie mille ancora, e lascio la parola a Virginia. Donc pour un auteur, c'est toujours évidemment très agréable de recevoir des prix parce que cela signifie que les rêves qu'on a mis sur la pellicule, enfin, ou du moins sur la vidéo, ont été perçus par un public nombreux, par le public qui était dans les salles. Alors, le film que j'ai réalisé était un film qui comportait un message politique, hein, le message que donc vous avez vu, et je trouve ça très intéressant que ce soit au milieu de cette sélection aussi importante que mon film a été retenu. Buonasera a tutti, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci au public et merci au Festival de Vilnius.
C'est un prix dont on est vraiment très fiers parce que moi, je suis la productrice du film et en tant que producteur, on produit les films pour le public. On vise au public et on s'adresse au public, surtout quand on lit des scénarios. Et quand j'ai lu le scénario de Prima Donna, j'ai pensé tout de suite au public et j'ai dit, moi, je veux que les gens regardent cette histoire en salle, au cinéma, parce que quiconque peut se reconnaître dans l'histoire de notre héroïne, Lia, que vous avez vue au cinéma, parce que tout le monde doit donner voix au courage comme elle l'a fait. Et c'est comme Martha l'a dit, c'est un film qui a un message politique, donc tout le monde doit trouver son courage. Et ce prix ce soir me donne beaucoup d'espoir et je vous remercie. Grazie a tutti. State, come si chiama in casa la legge? C'è il matrimonio. Per riparare l'onore ferito della ragazza. Mi stai facendo la cosa giusta. Sono capace di tutto. Tu lascia un giudice. A male non ci vedo più. Non mi dà. Il Joseph Rick. Basta. Quando tu racconti la tua storia, non è più mortificante. Io sono orgoglioso di te. Lia, lo devi fare per te. Devo fare che le cose non si muovono. Invece le cose si muovono. Sei pronta? Tu sei pronta? Notre voyage imaginaire à Milan et dans la Lombardie s'achève presque à présent. Normal donc que l'on revienne à notre port d'attache, normal donc que l'on revienne à Villerue. Villerue qui a vu naître ce festival et qui n'a cessé de le soutenir et de l'épauler. Aujourd'hui, ce festival, c'est plus de 70 films, 250 séances, 6 salles, 4 villes, sans vous parler des nombreuses décentralisations avec le ciné mobile, dont Crune ne fait toujours pas partie, mais je ne désespère pas. 2 départements et même 2 pays, puisque depuis quelques éditions, le Grand-Duché de Luxembourg est venu renforcer cette belle et fructueuse collaboration culturelle. Par sa rigueur, ses choix artistiques et surtout par sa longévité, ce rendez-vous incontournable de notre paysage local a depuis bien longtemps dépassé les toutes petites frontières de notre territoire et rivalise aujourd'hui, par sa programmation, avec des villes prestigieuses et touristiques, mais qui, malgré leurs efforts pour attirer stars et publics, n'arrivent pas, hélas pour elles, à atteindre notre niveau de convivialité. Tous les invités de toutes les éditions de ce festival sont unanimes, et on en a encore eu un bel exemple ce soir, pour dire qu'ici, à Villeruppete, en plus d'une programmation de qualité, on trouve une ambiance toute particulière. Comme chaque année, la ville de Villerue a choisi d'honorer à travers l'Amilcar de la ville un artiste italien incontournable de la scène cinématographique italienne. Et cette année, comme l'année dernière et encore l'année précédente, ce n'est pas un artiste, mais une artiste que nous recevons ce soir. Et quel artiste ! J'en suis tout ému, presque tétanisé.
C'est mon côté un peu midinette, un vrai groupie absolu, fan de la première heure. J'ai essayé de me relooker pour l'occasion, mais je crois que c'est complètement raté. Pas grave. Pour la première fois, il faut bien l'avouer, monsieur le maire, je suis presque jaloux de votre position, ne serait-ce que pour pouvoir la féliciter. Pour découvrir ensemble l'heureux élu de cette 46e édition, j'invite à me rejoindre sur scène Oreste Sacchelli, délégué artistique du Festival du film italien, et Pierre-Yves Spisiak, maire de Villerue. J'ai rencontré Jasmine Trinca pour la première fois il y a quelques années. Elle venait de participer à son premier film et nous étions très contents d'avoir vu sa prestation. Elle nous a un peu glacés en disant que oui, bon, elle avait fait une belle expérience, c'était sympathique, mais que elle, ce qui lui plaisait, c'était l'archéologie. Bon, eh bien, l'archéologie aurait gagné ce que le cinéma y aurait perdu. Mais la surprise fut bonne lorsque, 2 ans après, on l'a retrouvée dans une interprétation magistrale d'une jeune femme aliénée mentale dans le film de Marco Tullio Giordana, Nos meilleures années. Et tout d'un coup, on s'est dit, ben, le cinéma gagne ce que l'archéologie a perdu. Et de fait, sa carrière a continué. Alors, aussitôt après, on a eu de premiers grands rôles. On l'a vu dans Romanzo Criminale, puis son premier vrai grand rôle, avec de nouveau Nanni Moretti dans Le Caïman. Et puis, elle a enchaîné les films et quelques apparitions dans des films français aussi. La Polonide, Saint-Laurent, de Bertrand Benetto. Et puis, depuis 2013, ça s'est développé fortement. On a eu 2 grands films d'elle, qu'on a présentés d'ailleurs à l'époque. C'était le film de Diritti, c'était le film de Valeria Golino, Miele, qui lui est particulièrement à cœur, qui lui tient particulièrement à cœur et que nous avons représenté cette année, bien que l'année dernière, il était déjà au programme. Et puis, depuis, pratiquement, c'est 3 films par an. Voilà, c'est son allure. On la retrouvera sur Netflix, avec un film de Ospetek, Nuovo Olimpo, hein, qui est depuis peu sur Netflix. Et puis, on va la retrouver aussi dans ce film que nous verrons ce soir et qui sera reprojeté demain et qui donnera lieu à un débat avec la réalisatrice et avec Jasmine Trinca elle-même, La Nouvelle Femme, de Léa Todorov. Et puis, en tout, ben, c'est une 40aine d'apparitions sur les écrans. Alors, chère Jasmine, si vous voulez bien nous rejoindre. Alors, monsieur le maire et moi sommes heureux de vous remettre ce prix qui, certes, est plus modeste que les nombreux films que vous avez collectionnés dans votre carrière. Et ce n'était pas 40. Une quarantaine. Non. Non. J'espère que non, mais... Pas loin. J'ai dû additionner les courts-métrages, les... Bon, et puis la réalisation, enfin bref, beaucoup de films. Et donc, cet Amilcar, c'est... modeste, évidemment, comme nos moyens, mais je crois qu'il témoigne de la passion que nous avons ici pour le cinéma italien, et surtout pour celles et ceux qui arrivent à le faire rayonner. Donc, merci d'être avec nous, et merci de continuer à faire rayonner le cinéma italien. Thank you.
Mais en fait, je n'avais pas préparé un discours. Et je suis un peu gênée de parler français ici parce que j'ai compris que c'est facile de se moquer de moi. Mais non, 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 pas de moi, en général, des Italiens qui parlent français comme moi. Et non, mais je suis ravie. Et ça fait étrange parce que, voilà, chaque fois, je suis un peu choquée. Tu as rappelé comment j'ai commencé il y a 20 ans. Et donc, l'idée de, d'être ici et présenter des films que je ne pensais pas de faire dans la vie, mais en fait, ils sont là. Et ça m'a fait un grand effet. Et vous savez, d'habitude, les acteurs n'aiment pas se regarder, mais l'idée qu'ici, à Beyrouth, il y avait la possibilité de retrouver les films que j'avais faits dans la vie. C'était une chance que j'ai un peu perdue, mais demain, je serai ici avec Léa Todorov, la réalisatrice de La Nouvelle Femme, et donc avec plaisir avec vous. Et merci beaucoup, et merci pour cette idée, ce récompense. Merci à toutes, à tous. Noi in italiano che fa folklore, grazie, volevo soltanto ringraziarvi, e mi faceva molto piacere, e sono passati tanti anni, ma adesso sono sempre molto commossa, no? E siamo sempre commossi nel ripensare ai nostri migliori anni, come la meglio gioventù, tra l'altro. Nous voici donc déjà arrivés au terme de cette soirée de récompense, la soirée des remises des Amilcar de la 46e édition du Festival du film italien de Villerus s'achève donc à présent, avec cette année encore, il faut bien l'admettre, un palmarès époustouflant. Au nom des organisateurs, permettez-moi une dernière fois, dans une dernière prise de parole, et après c'est promis, je me tais et je laisse la place au film, je débarrasse le plancher. Permettez-moi simplement de remercier tous les participants à cette belle aventure, tous les partenaires institutionnels, les parrains publics comme privés, les différents financeurs. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, ce serait bien trop long, fastidieux, voire soporifique. Mais sachez que sans vous, s'il y en a parmi nous quelques-uns ce soir, sans eux en tout cas, cette belle fête italienne ne pourrait exister. Merci. Merci aux organisateurs, aux administrateurs, aux permanents, aux bénévoles évidemment, à cette équipe incroyable de passionnés, d'italophiles, d'italophones, qui chaque année relèvent des défis incroyables et mettent la barre toujours plus haut. Mais où s'arrêteront-ils ? Merci à vous, public, d'être présent chaque année, envers et contre tout. Merci d'être fidèle à chaque édition. Merci pour votre indulgence. Merci pour votre bienveillance, votre compréhension, votre passion, votre dévotion, votre amour inconditionnel de ce beau et grand cinéma italien. J'aimerais, avant que tout se conclue concrètement et réellement, et vous dire une dernière fois au revoir, que tous les lauréats viennent me rejoindre pour une belle et grande photo de famille et qu'ensemble, on s'applaudisse une dernière fois avant de voir le prochain film qui sera diffusé sur cet écran. Venez, je vous en prie, s'il vous plaît. Si, tout, ici. Le jury jeune aussi, le jury jeune. Viens. We'll be right back.
à tous, merci à toutes. Et surtout, vivement l'année prochaine, qu'on se retrouve tous ensemble pour la 47e édition del Filmo Italiano de Villerupete. Grazie a tutti. Ciao e buonasera, buon film.